Salut les enfants. Bon, aujourd'hui je fais un truc que j'aurais pas pensé faire vraiment, tu vois. On va aller rendre service à une amie. Et on va aller récupérer 2-3 trucs pour vider une maison qu'elle a besoin de vider. Et en fait, on va à Versailles, mon pote. Et ouais, à côté de Paname, ouais, Versailles. Mais pour l'instant, on attend Buffa. Parce que voilà, Buffa, lui, il attend le dernier moment pour nous appeler. Puis dire, bah, je viendrai bien avec vous. Bah, mais nous, on est déjà en route, pignouf, on fait du carburant à Neuchâtel, là. Alors, du coup, on est en train d'attendre Buffa. On risque de pas arriver à l'heure, c'est même sûr. On sera pas à l'heure. Bon, enfin bon, allez, c'est parti. Non, mais sérieux, Gis, toi, tu vas à Paname, à Versailles, chez les Bourges, gros. Non, mais t'es un gueudin, tu vas péter les plombs, man. Bah ouais, pas le choix, c'est pour Marie, hein Marie. Bravo Marie, elle me fait sortir à Versailles. Bah vraiment bravo, hein, bravo, hein, bravo. Et bah voilà, enfin, ça mon poteau. Bravo, bravo, on a perdu 10 minutes, bravo. Bon, on a gagné 2 bras. Voilà, c'est ça. 1,5. Ça dérange pas que je vienne? Bah si, tu fais chier, putain, t'as attendu 10 minutes, merde. Hein? Bon, j'ai fait vite, hein. Ouais. Bah oui, on a vu ça. Bon, bah c'est bon, enfin, on peut partir. Allez, on y va. C'est Darty. Continuez tout droit sur rue des Abreuvoirs. Ok, on se débrouille, ça va. On est à Versailles, là, les gars. J'ai bien l'impression. Ouais, ça se voit aux allées. Ça ressemble. C'est des grandes propriétés. Bien. Bah oui. Bon bah bravo, c'est toi qui me fais déplacer, c'est toi qui me fais déplacer. C'est toi qui me fais déplacer, mais tu vas être sur une vidéo. Non. Super bien. Tu fais la vidéo mais sans maman et sans moi. Bon bah ça y est, on sort de la région parisienne. Ouh, il était temps. Bon, en tout cas, on a récupéré plein de super trucs qu'on va voir ça là tout à l'heure. Waouh. Et puis du coup, on y retourne demain parce qu'il y a encore des trucs à récupérer. Puis ça se trouve, on va encore faire un troisième chemin, tu vois. Donc on va voir. Bon, on y va, Buffa, on fait quoi là? Ouais, on y va. Ah, attends. Oh, vas-y, ferme. Je viens avec vous. Non, viens, on se casse. Non, dégage, tu restes là, toi. T'es un escroc. Non, dégage. Nous, on se casse, mais on va à Paname, nous. À Versailles. On va chercher le matos. À Versailles, il est relou. Et Louis, hein? T'as pas voulu prendre Rasta? Non, il fait chier, il lui raconte que des conneries. J'avoue, et la dernière fois qu'on a fait la route avec lui, il était là. Ouais. Toute la journée, ça, il m'a gavé, lui. Ouais, grave, hein. Buffa, franchement, vous avez bien fait de pas le prendre, moi, je vous le dis. Ah, il a insisté, moi. Ah, ouais, grave, non, laisse tomber, c'est pas possible. Ok, et eh ben voilà, on a un bon petit, bonne petite remorque de récup là, c'est stylé. Vas-y, viens. Déjà. On a une super table avec un super plateau en fonte, du verre. Regarde ça, c'est chaise en fonte, pied en fonte. Franchement, terrible. Incroyable. Ensuite, regarde bien là. On a des racks de lumière. Tu sais, les gros racks où les mecs ils mettent des spots. Pour fixer les spots sur scène. Et ouais. Du coup, nous, on utilisera ça pour mettre les kiwis et tout ça, tu vois. Du coup, il y a plein d'étais, ça, pour les travaux qu'on a à faire. Super. Congélateur, frigidaire. Là, des néons, on a récupéré pas mal de néons, comment ça s'appelle, là, de lampes LED aussi. Ouais, des lampes LED. Bon, nous, on sait pas si on en aura besoin, mais ça peut servir toujours. Tu vois, des tréteaux aussi, des tréteaux pour couper du bois ou peu importe, ah, tu vois. Tréteaux. Oh là là, la remorque, elle est blindée, hein. Pas mal de bois. Contre-lito, mec, des planches et tout, ça, c'est super. Oh, c'est que de la bonne qualité. Plein de ferraille. Super. C'est ça, les rampes de spot, là, de scène. Hop, ah, une belle remorque. Et puis bah regarde aussi l'échelle. L'échelle. Et mais on n'a pas montré la remorque d'hier, donc on va montrer un petit peu demain parce que ce qu'on a récupéré, on n'a pas vraiment eu le temps. Hier il y avait une belle remorque aussi. Hein. Ah Rasta. Encore le feu. Bah ouais, hier c'était une belle remorque. Hein. Ouais, un bel échafaudage pour pouvoir monter tes dreads au plus haut. C'est ça, t'as raison. Ah non, c'est stylé. C'est hyper cool. Nickel. Ça va Buffa, c'est bien passé? Ça va. T'as kiffé faire ton Versaillais?
C'est ça. Hein, Marseillais. Bah, n'empêche que tu vois, ça valait le coup de venir jusqu'à Versailles. Alors, on va pas faire ça tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est parce que c'était Marie et qu'elle avait vraiment besoin d'aide et que nous, on savait très bien qu'on allait récupérer quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça valait le coup de venir jusqu'à Marseille. Non. Versailles. Versailles. Salut les enfants. C'est bon, je vous Lui, il est sérieux. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui, viens, on se casse, Buffin, vas-y, venez, on se casse. Comment il a fait? Lui, il est venu à pied ou quoi? Putain, il nous a suivi, enfoiré. C'est vraiment un dieu d'homme. T'as des bosses partout. Alors, on est au top. Voilà, de la belle planche. Des contre-litos. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Bah, les échelles. Ça, c'est stylé. Les règles pour tracer, on est pas mal. On a eu quoi, cette grosse caisse? On a eu toute cette ferraille. Génial, la ferraille, ça, c'est top. Une poubelle, ah, c'est toujours pratique. Des étais, tu vois. Comme on va avoir du travail de charpente à faire, bon, on a récupéré pas mal d'étais. Regarde, encore une échelle. Deux échelles encore. Super. Tout ça, ça vaut une fortune, hein. Là, les étais, en plus, ça. Ça, c'est pas de l'été comme on te vend aujourd'hui. Ça, c'est du solide, mon gars. Ça, c'est top. Des taquets. Des taquets, c'est quand tu mets une échelle, tu vois. Tu mets ça sur les barreaux de ton échelle. Et puis, tu mets deux échelles. Et en fait, on met l'une à côté de l'autre. Et finalement, tes taquets te permettent d'avoir un truc plat et de pouvoir poser une planche. Ça, c'est top. Regarde. Un échafaudage de ouf. Il y a deux échafaudages, là. Génial. Pour les toitures, les charpentes. Et puis ça, c'est des rails de lumière. Du coup, nous, on s'en servira pas pour faire de la lumière. Mais on va s'en servir pour faire pousser des kiwis ou des vignes. Et ouais, ça va être stylé. Des petits tréteaux en tout genre aussi. Ok. Des auges. Tu vois, des grosses auges. Ça, c'est top. Et cette magnifique table. Regarde-moi ça. Une petite plaque de verre. Ça, c'est de la fonte, de la forge. C'est de l'acier forgé. Le pied aussi, en acier forgé. Les chaises. Regarde-moi ces magnifiques chaises. En acier forgé, mon pote, elles sont stylées. Un frigo. Là, c'est le congélo. On a eu un petit frigo derrière. Super. Et puis, ce stock de bois aussi. Stock de bois, là. Du zinc. Pour faire des fêtières, il y a des bouts de gouttière aussi, pratique. Encore du zinc là, tu vois, de la feuille de zinc pour faire des fêtières. C'est super. Petite poubelle en alu, ça c'est top. Un réchaud à gaz, ouais. Des petites boîtes de rangement aussi pour les vis et tout, ça c'est top. Encore du zinc, de la feuille de zinc, de l'outillage aussi, regarde. Du plein de, je sais pas qu'on appelle ça, là, des fiches, des burins. Enfin, voilà, plein de trucs, c'est génial. Super génial. Des caisses, regarde, des, comment ça s'appelle ça? C'est des chandelles. Des chandelles quand tu bricoles sous les bagnoles. Ouais, non, c'est top. Yo mon pote, c'était une bonne petite récup ça man. Nickel, yes. Spécial dédicace à Belmira et ouais, Marie, yeah man, ça c'est cool. Et check mon pote, toi t'as rien foutu, t'as préparé le lapin toi. Ouais voilà, oui, bravo. Remercier yes, Nico, merci mec, yeah man. Ma chérie, check, ouais yeah man. Et ben voilà les enfants, ça c'était une belle récup. Et ben merci, c'est comment j'ai oublié mec. Belmira. Ah merci Belmira. Ou en verlan Mirabelle. Ah Mirabelle, non c'est Belmira. Belmira. Merci Belmira et merci Marie. Franchement vous avez été au poil, super. Merci beaucoup. Allez salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la nourriture aussi, les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie, Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.